Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, émission exceptionnelle, comme d'habitude, j'ai envie de dire, puisque je lance un nouveau concept, alors totalement inédit, quelque chose de malade, hein, sorti tout droit de mon imagination fertile et débordante, bien évidemment. Je vais aller à la rencontre, chez eux, de collectionneurs de jeux vidéo. C'est fou, hein? Mais par contre, effectivement, comme j'aime un petit peu dépasser les limites, aller plus loin quelque part, la surprise, la spontanéité, c'est important pour moi. Eh bien, ces collectionneurs ne savent pas que je vais venir chez eux. Donc, ça réserve quand même de bien belles surprises et de bien belles rencontres. Et donc, tout au long de cette vidéo, vous verrez la préparation de cette émission, puis l'émission en elle-même, et je ferai bien évidemment à la fin un petit débrief. Mais en attendant, on va préparer cette nouvelle émission que j'ai appelée « Je débarque chez toi à l'improviste ». À tout de suite. Alors, je reviens de mon garage, là où j'ai préparé justement cette petite surprise à notre ami collectionneur. Donc voilà, j'ai le parfait nécessaire, une pince, un petit ciseau à bois, on sait jamais, ça peut servir, on sait jamais. Bien évidemment, très important pour ce genre d'émission, les tournevis, puisque j'ai une pince, j'ai aussi un marteau. Ça sert toujours lors de rencontres de ce type. J'ai aussi, hop, un petit accessoire pour garantir la surprise. Très important, la cagoule, c'est la base. Et j'ai un autre accessoire, mais je vous réserve la surprise, puisque là, écoutez, là il fait encore jour, mais le conseil de mission, c'est la surprise. Donc on va attendre un peu que le jour commence à tomber pour aller faire la surprise à notre ami Jean-Jean. Jean-Jean qui collectionne de la Neo Geo. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup la Neo Geo, donc je me devais de lui faire cette surprise. Allez, on se retrouve devant la maison de Jean-Jean. À tout de suite. Deux heures de route pour arriver chez Jean-Jean et écoutez, là je m'apprête à lui faire une très belle surprise, mais avant ça je vais m'équiper. C'est important de s'équiper, voilà, parce qu'il faut faire une belle surprise à Jean-Jean. Il va être bien content, Jean-Jean. Voilà Jean-Jean, j'arrive. Jean-Jean, il faut être très très discret. C'est parti. À tout de suite, Jean-Jean. Alors voilà, on est devant la porte de la chambre de Jean-Jean. Jean-Jean dort à point fermé. Je m'en vais lui faire la surprise et lui signifier ma présence. Allez, tout de suite, Jean-Jean. Oh Jean-Jean, ça va ou quoi? Tiens. Voilà Jean-Jean. T'es content de me voir, Jean-Jean? Moi aussi, je suis très content de te voir. Voilà. Voilà. Tu préfères... rester dormir? Pas de problème, je m'occupe de tout, Jean-Jean. Alors, Jean-Jean est... Il est un petit peu fatigué, il préfère que je fasse la présentation de sa collection tout seul. A tout de suite pour la présentation de la collection de Jean-Jean. Alors voilà, on est dans la gaming room de Jean-Jean, et Jean-Jean est très généreux, parce que Jean-Jean m'a dit
tu choisis le jeu que tu veux, et enfin, même les jeux que tu veux, pour être précis, et je tiens à respecter sa, comment dire, sa parole. Tu prends les jeux que tu veux, et c'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait plaisir, parce que je suis tellement heureux de te voir débarquer là à l'improviste, que voilà, ça, tu as embelli ma soirée. Très bien. Eh bien écoutez, on va faire le tour du propriétaire, et on va voir ce que nous pouvons, entre guillemets, rapporter comme souvenir. Voilà. Alors, je vois que Jean-Jean aime beaucoup la Neo Geo. Bon, même si ses goûts sont parfaitement discutables, hein, puisque de la Neo Mini, on sait très bien que c'est de la merde. De la Switch, de la PS4, de la ColecoVision, Jean-Jean est un peu ringard. Et de la Neo Geo. De la PC Engine, de la Mega Drive, de la DS. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va être quand même raisonnable. On va pas non plus abuser de la gentillesse de notre hôte de ce soir. Et je vous parlais tout à l'heure d'un accessoire totalement indispensable. Quel est-il? Eh bien, regardez, c'est la boîte en plastique. C'est un accessoire parfaitement indispensable pour cette nouvelle émission « Je débarque chez toi à l'improviste » pour justement ramener les souvenirs que mes gentils hôtes me proposent. Donc, on va prendre un petit peu de jeu Neo Geo. Voilà, je vais vous les présenter. Voilà, un petit Last Blade. Un petit... Art of Fighting 3, évidemment. Un petit... Oh là, Matrimédé. Et un petit... KOF 99. Voilà. Et moi, je vais prendre mon petit péché mignon, mon jeu préféré sur Neo Geo. Bien évidemment. Hop là, il est là. Viewpoint. Et un jeu auquel je joue énormément en ce moment. Hop là. Last Resort, c'est génial ce jeu. Et allez, ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre? J'aime beaucoup aussi le jeu de Tetris. Puzzle. Il est où? Ah, il l'a pas ce con. Cette gentille personne. Ah si, il l'a. Ouais, super. Oh, Bubba. Écoute, comme il faut pas séparer les familles, je prends son copain qui est juste à côté. Notre ami Ninja Commando. Voilà. Eh bien, écoutez, on va refermer tout ça. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est de... Ben, je vais rentrer chez moi, je vais dire au revoir à Jean-Jean, et puis ben, on se retrouve pour le débrief de cette première émission « Je viens chez toi à l'improviste ». A tout de suite. Bon, ben, écoutez, voilà, c'est fait. Je viens de rentrer chez moi. D'ailleurs, c'est fou quand même, comme chez Jean-Jean, ça ressemble à chez moi. C'est incroyable. Aucune personnalité, mais très sympa, puisque il m'a gentiment offert quelques jeux de sa collection. Vraiment, je le remercie, puisque pour le coup, ce sont de plutôt très beaux jeux. Je suis un peu déçu par l'état, mais bon, bref, je vais pas non plus faire le difficile. Il me les a donnés. Donc voilà, on est vraiment sur des jeux quand même plutôt sympas. Voilà, je vous les montre. Tac. Voilà. Alors certains, bien sûr, diront, il en profite pour montrer ses nouvelles rentrées. Non, c'est juste, c'est la passion du jeu vidéo, c'est la passion des rencontres. Parce que vraiment, Jean-Jean, il est super sympa. Et Jean-Jean, il m'a ouvert sa porte. Bon, j'ai un petit peu aidé à l'ouvrir aussi, mais il m'a vraiment accueilli à bras ouverts. Bon, c'est dommage qu'il était un petit peu fatigué, mais c'est pas grave, on a pu découvrir sa collection. Il m'a permis de repartir avec un petit souvenir et je l'en remercie. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau concept d'émission. Je débarque chez toi à l'improviste. Est-ce que voilà, ça, vous avez envie que ça continue, de voir encore d'autres invités pour découvrir encore de nouvelles collections dans la franche camaraderie, la spontanéité et l'amitié. Voilà.
Eh bien, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!